We've all seen images of polar bears, and they're very attractive to some people, but they don't necessarily fulfill the whole issues of climate change. L'image, elle impacte le cerveau tout de suite. Le rôle des images est celui de susciter une croyance. La photographie et la vidéo de Greenpeace montrent donc ces solutions, ou en tout cas des gens qui se mobilisent pour. Le cerveau humain analyse 60 000 fois plus vite une image que des mots. La photo est extrêmement importante, aussi bien que la création aussi infographique. Ça devient un élément de communication qui prend de plus en plus de place. À un moment donné, le succès aussi est lié à l'authenticité de ce qu'on peut transmettre par l'image. L'image, ça, c'est comme le dernier coup de marteau qui finit d'enfoncer le clou. La photo, c'est vraiment, vraiment important pour vraiment donner un visage à ces individus qui s'expriment dans mes articles. Il faut les mots qui nous disent comment aussi nous agir. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas renouveler aussi l'iconographie du changement climatique ?